Et enfin, nous terminerons par Bastia-Nancy avec cette excellente équipe de Nancy qui ouvre la marque à Furiani, où il est bien difficile de gagner par Jacques. Et le festival Mia va commencer ici même à la 40e minute avec cette égalisation du Camerounais. Mais un but partout, c'est la marque à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, les Nancéens vont reprendre l'avantage grâce à un pénalty sifflé pour une faute sur le jeune avant-centre Philippe qui vient de Sochaux. Pénalty justifié et qui est transformé par Thierry Meyer qui lui aussi vient de Sochaux. 2-1. Et puis Mia continue son festival. 76e minute, petite erreur de la défense nancéienne, Mila est là pour égaliser. Et à 2 minutes de la fin, un centre de Ihili, une tête de Martialis, et Mia est là pour mettre la tête et donner la victoire à Bastia, 3-2.